Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam. Est-ce que vous voyez nos têtes de fatigués? Il est 10h40 du matin. On va faire un 24h Lidl. Sauf que on n'a pas le droit d'aller dans le même Lidl. Un Lidl dans une ville, l'autre Lidl dans l'autre ville. Comme ça, on va regarder les produits, si c'est les mêmes ou pas. C'est parti, bonne chance. Qu'est-ce que tu vas nous réserver? C'est pas un bon truc. Elle a pris son petit sac. Lidl, il est comme ça ton Lidl, regardez. Ça, c'est son petit Lidl. S'il y en a qui savent c'est où, vous êtes des BG. Donc petit déjeuner, elle se dirige direct vers la base. Boulangerie. En plus, le monsieur est en train de te mettre des pains au chocolat tout chaud. Ça va commencer par quoi? En vrai, je crois que je vais le faire. Beignet? Mini beignet? Ok. C'est au chocolat. Lâche. Ils sont à la presse, ils regardent, il y a du coup, etc. Ah ouais. Bah, au pire, prends des pains au chocolat, ils sont tout frais. Petit pain au chocolat direct. Là, on va prendre un petit croissant. Ah ouais, croissant pain au chocolat. Par contre, il n'y a pas de pain pour le prendre. Incroyable. Mais prends que ta main au pire. Non, c'est sale. On n'est pas des cracras. Et là, t'avais des beignets au chocolat, hein, tu me demandais. Là, on va prendre des bonbons, je crois, pour le matin, en vrai. Ouah, ton... Hey, t'auras le diabète, toi, de type 2, c'est un truc de ouf. Pour ma part, c'est ce Lidl-là. C'est le meilleur Lidl pour moi. On va essayer de trouver des vrais produits. C'est parti. Pour le matin, je viens de regarder, il y a des Big Mama à droite. Regardez-moi ça. Incroyable, ça fait toute ma tête. Donc, on va se prendre ça pour le matin pour avoir de la bonne énergie pour cette vidéo. Je suis trop content dans mon Lidl, regardez ce qu'il y a. Il y a quoi? Des bonnes mousses au chocolat riches en protéines. Pour les muscles, c'est parfait. Vous allez penser que je suis fou, je suis un peu fou, mais moi le matin, je suis team salé. Regardez ce que je vais prendre, ça me donne vraiment trop envie. Un mélange de légumes. Tant qu'on y est pour mélanger aux légumes, on va prendre du thon. Comme ça, il y aura des protéines en même temps. Mangue. Oh, le déjeuner va être n'importe quoi. Quand même, pour finir avec le matin, on va se prendre des petits. Ça, c'est mes céréales préférées. À chaque fois que j'en achète, je mange tout le paquet, j'ai mal au ventre, mais ça fait plaisir. Petit déjeuner Lidl, on commence super bien la journée avec, pour ma part, on commence par des mangues. La mangue est remplie tout le bol, c'était 1,79€ et franchement, je suis content. On a le petit café avec les petites Kellogg's, les légumes, le thon et Myriam, je te laisse présenter. Mais t'es malade de manger des légumes le matin? Mais pourquoi tu me dis? C'est le seul être humain sur Terre qui mange des légumes le matin et du thon. Non, il y en a plein. Manifestez-vous dans les commentaires ceux qui sont sportifs, Kylian Mbappé. Personne, personne. Kylian Mbappé. Personne. Alors déjà, on commence par, pour moi, un beignet au chocolat de ma part. Ensuite, un croissant. Puis un croissant, un pain au chocolat et un croissant. Ensuite, on a... Ça, j'ai vraiment envie de goûter. Je sais pas trop c'est quoi. C'est du freeway. Ça, ça a l'air incroyable. À la fraise. Et là, on a des bonbons. Ah, toi, t'es... Donc là, vous êtes en train de me traiter que personne prend ça. Et elle, regarde son petit déjeuner cancer. Imagine, tu prends ça tous les matins. Et regarde la tête de tes pains au chocolat. Alors, on dirait qu'ils ont fait la guerre. Tais-moi, un des pains au chocolat ou... Il a rien à dire ou... Tu les gars, mec, du temps, on va tenter. C'est une lettre. Ça passe super bien. Fait quoi, ouais, cette sauvage, là? C'est grave. Tu vois, c'est pour ça que je mange des légumes, pour être puissant. Toi, tu manges ça, t'as aucune puissance. Tiens, je t'en sers. Non. Mais je t'en sers. Je me sers toute seule. Ouais, ça a pas la couleur de la fraise. On dirait du pétrole. Ouais, ça a vraiment pas la couleur de la fraise. Pétrole. Ah, mais c'est un iced tea. C'est un iced tea couleur saveur fraise. Normalement, tu vas avoir la saveur de la fraise. Ça a le goût des cristallines à la fraise. Ah, bah c'est cool. En plus, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, ça, apparemment, c'est bon. En plus, il y en a beaucoup plus. Ouais, il y en a énormément plus et ça a l'air super bon. Moi, je suis devenu raciste des bonbons le jour où, un anniversaire, j'ai mangé et ma dent s'est cassée. Je veux plus de bonbons, c'est fini. Incroyable. Les Kellogg's de la mort. À chaque fois que j'en achète, j'en mange grave, j'ai mal au ventre. De la fraise, ouais. À chaque fois que j'en mange grave, j'ai mal au ventre. Et je dis, yes, j'ai mal au ventre. Il me dit, chier. Cette fois-ci, un peu de Kellogg's. Ça, vous savez que j'allais me tromper, j'allais prendre un beignet à la fraise. Vas-y, goûte pour voir le beignet au chocolat. Normalement, c'est ça, c'est une masterclass, ça. On remplit le verre. La boulangerie Lidl, ça pourra jamais te décevoir. Mon père, chaque fois, quand il va à Lidl, il te ramène, il dit, Myriam, je t'ai mis des beignets. T'as ramené un beignet. On va mettre un peu de café dans les Kellogg's. Du café dans les Kellogg's? On va tenter. Mais lui, il fait n'importe quoi, clairement. Je fais pas n'importe quoi, c'est vous ça? C'est des mecs matures qui mangent ça. Il fait toujours des mélanges bizarres. Je fais pas des mélanges bizarres, c'est faut tester, ça se trouve, je vais découvrir des bangers. Mais de la mangue aussi dedans, c'est mieux. Ouais, c'est grâce à qui qu'on met les... Je crois que ça va vous gronder là. C'est grâce à qui qu'on met les frites dans les glaces? C'est qui a fait ça en premier? Ça va vous gronder. C'est moi qui ai mis les frites dans les glaces. 3, 2, 1. Mmh. Le grondage.
Magnifique. T'es en train de faire les courses à Younes et il y a une maman, elle nous a reconnus. Elle nous a dit, vous, vous me filmez pas. Mais est-ce que moi, je peux vous prendre en photo pour ma fille? C'était trop drôle. Elle a dit, vous, me filmez pas. Hein, mais moi, est-ce que je peux vous filmer? Alors qu'on a dit, oui, il n'y a pas de problème. Je crois, elle s'appelait comment l'abonné? Nesrine. Ouais, Nesrine. Nesrine, on te fait un gros célèbre. Et ta mère, elle est trop, trop drôle. Ok, ça fait grave peur parce que le clignotant à Younes, il est cassé. Regardez, est-ce qu'il y en a qui savent quand je mets le clignotant? Regardez, il clignote vite. Il clignote grave vite. Et ça marche pas. C'est-à-dire, les gens, ils savent même pas que je tourne à droite. Là pour le midi, je vais prendre des mini saucisses. Des mini saucisses? Ouais. Carré. Ça fait 800 ans, on n'a pas mangé ça. C'est incroyable en plus, les mini saucisses. Prendre le fromage, il s'appelle Sheldon, comme Sheldon. Vas-y, prends le fromage Sheldon. C'est quoi Sheldon? Je sais pas. Fais voir. Donc, ça c'est du fromage Sheldon. Vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais les agrémenter avec les saucisses. Attends, je peux te dire un truc, s'il te plaît? Quoi? Lis bien, c'est marqué quoi sur l'étiquette? Cheddar. Pourquoi tu dis Sheldon? Attends, c'est pas du cheddar que je voulais prendre. C'est de l'emmental. Ouais. Ok, ou sinon t'as de la mozzarella. Fromage râpé, voilà. En fait. Trois fromages. Yab, les reilles. Oh là là, ça me donne trop envie. Regardez ce que j'ai pris. T'as pris quoi? Des pizza à partager, trois fromages. Et il y a 12 parts. Et c'est de Alfredo. Oui, masterclass pour master, le dessert. C'est quoi ta masterclass? Oh là là, mon dieu de plaisir. Oh Lidl, vous faites voir. Un gâteau entier de Milka. Tiens. Ça coûte combien? Ça coûte 3 euros. Non. 3 euros? Ouais, 3 euros. Ça va. L'écrit, elle est déterminée. J'arrive plus à la suivre. Tu vas prendre quoi? Moi, je prends ça. En gros, c'est un iced tea. C'est un iced tea freeway. Préparation du repas du midi. Franchement, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Ta pizza, elle est super grande. Hein. C'est une masterclass. En plus, je sais pas si on va la découper ou elle va se couper toute seule. Ah, elle va se couper toute seule, je pense. Maintenant, on va faire les saucisses. C'est parti. Franchement, je suis trop contente de mes saucisses. Hein. Du coup, c'est des mini saucisses parce que j'avais pas trouvé du coup les grosses, ça c'était trop quantité. Ça va directement dans la poêle. Et ça te rappelle pas quelque chose les saucisses? Je sais plus, ça me rappelle quoi? Non, rien. Moi ça me rappelle un dessin animé, mais je sais plus c'est le quoi. Fromage, tu devrais le mettre à la toute fin parce que ça va complètement fondre après. Ah ouais? Ouais. Bah, je vais le mettre à la toute fin. Du coup, pour l'instant, on va le laisser dans l'emballage. Ça a vraiment une odeur de yaourt. Quoi? De yaourt, ça a une odeur de yaourt. Voilà. On attaque le repas du midi. Alors pour ma part, ce sera les pâtes avec de la bonne crème. Ensuite, on a le blanc de poulet. Oui, un cheveu. Ah, Lidl. Ça peut pas être moi parce que j'ai un bonnet. Ça va pas m'empêcher de manger. On a ma petite salade, le shot de gingembre. Par contre, j'ai pas compris. Dans la boîte de salade, il y avait ça, une madeleine. Et il y avait ça, j'ai pas compris. Il y a du nec balsamique. Je te laisse présenter ta part. Alors moi, pour ma part, j'ai pris ça. Donc, c'est comme des mini pizzas. Voilà, donc il y a 12 parts. Après, j'ai pris des saucisses avec du fromage. Ensuite, de l'iced tea. C'est un nouveau, en plus on va le goûter. Et le meilleur pour la fin, une tarte Milka. On va commencer par ça. Moi, je commence par ça. Je pense que pour une fois dans ma vie, je vais utiliser la sauce. Ah, elle est noire sang. Je vais en mettre un tout petit peu. Hein. Parce que si... Ça m'a l'air pas bon. Hein. Ouais. En vrai, là, je pense que Myriam, elle m'a graille. Sur l'aspect visuel, je pense que Myriam, elle m'a graille. T'as fait un repas incroyable. Wouh! Oh mon dieu, j'en mets juste un peu. Ah, juste un peu, parce que je sais pas si c'est du pétrole. Pour une fois que c'est moi, frère. Bismillah. Bon, au moins, ça va, Lidl. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas très cher. C'est incroyable. Tu kiffes? On va goûter la petite salade. Faut prendre tous les ingrédients. Bismillah. C'est le régime ou... Éclaté au sol. Vraiment, je mange des salades tous les jours, elle est éclatée au sol. Ne mangez pas de salade Lidl. Faites vos propres salades tout seul avec vos madeleines. Vous croyez, on est en prison ou quoi? Pourquoi j'ai acheté ça? Moi, je suis trop bête. Ah. On va commencer par mes petites pâtes. Moi, j'ai l'habitude des pâtes avec Yacine. On en mangeait beaucoup quand on était petits comme ça, là. Bismillah. Mmh. La sauce fromagère du tacos. Et les pâtes sont bien fondantes. Elles sont très, très bonnes. On va mélanger ça avec le blanc de poulet aussi. Mmh, c'est vraiment bon. Franchement, ça passe. Hein. Oh, ça passe, le mélange, il est incroyable. Est-ce que c'est une vraie pizza? Est-ce qu'elle est claquée au sol? Parce qu'elle coûte vraiment pas très cher, 3,99€. Il y a v'là les parts. En vrai, moi, j'en pense que ça ressemble pas à une pizza. Ça ressemble plus à autre chose. Genre, je sais pas quoi. What? Ça ressemble pas à une pizza? Moi, je voulais goûter ça, là, parce que je suis malade. Ouais, moi, je veux goûter ça aussi. Gingembre, citron, pomme. Bismillah. What? Regarde. Younes? What the fuck, man? Ah, ça brûle! Oh mon dieu, comment ça brûle la gorge! Ça, genre, ça fait guérir ça, Yacine, le gingembre et tout? Je sais pas.
C'est papa, il en prend tout le temps. Oh mon dieu, c'est un homme ou je parle. Mais on dirait pas de l'ice tea, on dirait de l'eau gazeuse. Et ça, les champions. T'as de la chance. Tiens, tu m'as explosé. Du coup, pour le repas du midi, Yasmine, c'est qui gagne? Myriam, je pense. Mais ça peut me faire détruire ma diète, ça. Oh là. Est-ce que tu veux goûter? On va faire un peu d'ASMR, regardez. C'est congelé. What? Réalise ton rêve. Ouais. Vous savez ce que je fais pour pas craquer? Si je dis, wallah, je mange pas, je peux pas en manger. Je sais pas si je dis cette phrase. Non, je peux pas, désolé. Je peux pas. Bismillah. Wallah, la adem, wallah, je mange pas. Là, comme on a mangé, on a de la graisse dans notre corps. Faut l'enlever, on a la maladie. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai la flemme de faire du sport. On va faire quoi? J'ai mis le tapis. Maman, je sais que t'es au travail en ce moment, t'inquiète pas, je vais tout ranger. J'ai mis le tapis au milieu de la salle et on va se mettre One Piece. Incroyable cette série. Let's go. C'est parti pour une heure de sport pour toi. Toi, tu vas faire quoi toi du coup? Je vais m'asseoir dans le canapé, manger des pop-corn et regarder. Myriam, ce que je te propose pour le soir, c'est que tu choisis mon repas et je choisis ton repas. En vrai, je suis d'accord. Je vais pas faire de gamin. Juste écoute, on se met bien nous deux. Oui, on se met bien, t'inquiète, c'est pas une vidéo prank. Ouais. On prend l'engagement. Pour Myriam, vu que c'est moi qui décide de son repas, on va lui prendre, je sais qu'elle kiffe, Tu vas prendre quoi? On va lui prendre en entrée, on va tester les sushis de Lidl. Wow. Je sens un bon, je prie des sushis, on va lui prendre aussi des tacos, fromage, en mode c'est un tacos pizza, je pense qu'elle va kiffer ça. Pour Myriam toujours, j'ai repéré une masterclass, regardez, des sandwichs cookies, genre en mode deux cookies au milieu de la crème, ça c'est un bon truc de gros pour Myriam. Pour sa boisson, on va lui faire goûter le coca de Lidl. Le Freeway Cola. Je sais pas si c'est bon ou pas. On arrive au dernier repas. Donc là, ils ont choisi les uns pour les autres le repas de l'autre. Donc là, Younes, il t'a choisi quoi? Il t'a choisi une part de pizza. C'est pas une part de pizza. En gros, c'est un petit toast, un mini toast. Je sais pas comment on va appeler ça. Ok. Avec des sushis. Un tacos. Arrête voilà. De dire des toasts. C'est pas des toasts. Un avec tacos. Des sushis et en dessert. C'est un sort de sandwich classique. C'est un sandwich. Personne n'a vu ça. Ça n'existe pas au monde. Des sushis. Déjà, non, visuellement, je mets la note de 9,5 sur 10. Merci, barakallahu fi. Maintenant, elle va goûter, on va voir au niveau du goût si c'est vraiment bon ou pas. Okay. Commence par le tacos, coupe-le en deux, regarde ce que je t'ai choisi. Voilà, ça, je crois que c'est un classique à Lidl, il y a grave qui mange ça. Hein. Ouais, c'est une master. Yacine, tu peux lui couper s'il te plaît parce que... Ça y est, elle a réussi. Je crois qu'elle n'arrive pas trop à couper, elle va gâcher mon repas. Ok, on va regarder à l'intérieur comment c'est. Fais voir à l'intérieur. Attends. Voilà, ok. Il y a de la fumée et tout qui sort. Tu peux déguster. Normalement, c'est plutôt incroyable. À chauffer au micro-ondes de la famille. Alors? C'est incroyable. C'est une masterclass ou pas? Masterclass. Surtout le fromage qui dégouline. La famille, si vous voulez vous faire plaisir, achetez ça. Je vous jure, c'est incroyable. Parce que Lidl et leurs sushis. La boîte, elle fait peur. Hein. Lidl et les sushis. Fais voir comment ça se présente. La boîte, elle fait super peur. Alors, attends. Ok, il y a des makis, il y a des tronquis. Ok. T'as par contre. C'est la sauce. Tu devrais, Yacine, lui dire qu'elle en mette quand même pour avoir toutes les saveurs. Bah, ça, c'est de la sauce wasabi, donc ça pique. Et ça, c'est la sauce soja. Tu piques et tu grailles. On va commencer par les mâches. Tu mets pas de sauce? Sushi. Là, je vais en mettre un peu, vraiment un peu, parce que j'ai peur de cette sauce. Bismillah. Oh, l'ogre. Ouais, je sais quoi, ce croc? C'est pas un croc de test, ça, c'est un croc de... Yujiro Anma. D'une fille qui a pas mangé depuis 1912. Alors? En vrai, c'est bon, mais avec la sauce, ça passe pas. Elle aime pas du tout. Dur là. Voilà. Mince, mais après, peut-être regarde, teste celui-là sans sauce, regardez celui-là. Celui-là, c'est un California. What? Alors, c'est quoi ça? C'est des oignons frits, ma grande. Non, c'est des graines de sésame. Moi, j'en mange tout le temps dans le quinoa. Elle se fait plaisir. Elle est incroyable. Ah ouais? Sans la sauce, du coup, ça passe crème. Mais sandwich, cookie, il est juste là. Ça, j'étais obligé de lui prendre. Là. Hey, elle fait des réactions. On sait même pas ce que ça veut dire. Elle déguste, alors en vrai, elle a raison. En fait, ça, c'est Dis-moi pas, c'est du dentifrice. C'est la crème qu'il y a à l'intérieur des glaces avec des pépites de chocolat. Et du coup? C'est trop bon. Commencer par les nuggets vegan. Nuggets vegan. Ceux qui ne mangent pas de viande, on appelle ça des vegans. Je comprends que vous voulez pas manger de viande, vous êtes un peu bizarre, mais c'est votre problème. Ouais, on a oublié la freeway. Si vous voulez pas manger de viande, arrêtez de faire genre vous voulez manger des fausses nuggets. C'est pas pour vous. Vous voulez pas de viande, manger des frites, des pâtes. Mais c'est non. Ma technique. Non, Myriam, on va mourir.
Vous voulez pas manger de viande, c'est votre problème. Arrêtez d'inventer des fausses nuggets ou quoi. Soit tu fais des vraies nuggets, soit c'est pas la peine. On va les goûter, allez. Mais là, en tout cas, ça ressemble vraiment à des nuggets. Ouais. Peut-être c'est bon. Hein. Eh ben, je vous promets que j'ai l'impression d'avoir mangé une vraie nugget. Oh, les sorciers. Ça me rappelle quelque chose, la viande de chez Quick. Ouais, la viande de chez Quick, les trucs vegan, je sais pas comment ils font. Ça a le même goût. Ça se trouve, c'est des nuggets. Ils vous cardent et ils vous disent c'est pas des nuggets, mais en fait, vous mangez des nuggets. On dirait un coca. Un coca zéro sans sucre. Non, avec sucre. Ok, bah Freeway, en vrai, elle a dit c'est validé. Ouais, c'est validé. Les gnocchis, ça pour rater les gnocchis, il faut vraiment être débile. Gnocchis, c'est hyper bon. Pour l'instant, tu mets combien sur 10? Pour l'instant, je mets 8,5 sur 10 parce que le combo là, il est incroyable. Okay. Par contre, ça, j'ai pas compris. Yasmine m'a choisi des galettes de riz à la noix de coco. Ah, bien. C'est le régime? Je sais pas. Regardez, je prends ça pour Younes pour le soir. Quoi? Bah, c'est pas trop calorique. Mais c'est un repas du soir. Oh, j'ai rien le droit de dire. Fais ce que tu veux. Attends, ça c'est pour le milieu. Et là, je vais te faire un vrai dîner. Donc, tu vas voir. On va regarder ce que ça donne. Alors? Le bas, il est dégueulasse. Mais le chocolat d'un coco, c'est bon. Et le bas est dégueulasse. Ouais, c'est comme du plâtre en bas et en haut, c'est bon. C'est grave chelou. Donc, mets bien ça. Ça, je mets 5 sur 10 en vrai. Je valide pas trop. Donc, allez, il reste un truc. Et là, ce dernier truc. Yaourt au chocolat riche en protéines, crème dessert. Peut-être que si tu fais un combo, tu te rappelles le truc du plâtre dans le chocolat, ça peut être bon. Ça, en vrai. Ah, c'est une mousse d'aneth. Ah, les danettes au chocolat. Par contre, comme il y a des protéines dedans, ça se trouve, c'est pas trop bon. On va essayer de goûter. Bismillah. Oh, c'est le même goût qu'une danette. C'est une dinguerie, c'est vraiment super bon. Bon, la famille, Myriam m'a choisi un super bon repas. J'ai choisi un super bon repas à Myriam. On va voir Yacine ce qu'il en pense. Moi personnellement, je mettrais Younes vainqueur parce que Myriam Smahalé lui a choisi un truc en dessert, elle l'a pas respecté alors que Younes il a choisi ça, regardez. Ça c'est une masterclass. Et tu vois, il y a même ça aussi. C'est des trucs, en fait, c'est des trucs qui donnent trop envie alors que. On est d'accord, Younes a gagné le défi du coup. C'est pas parce qu'on va ça, c'est vrai qu'elle a gagné. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de likes et à vous abonner. Nous on vous laisse là. Ciao.